à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter les moules que j'ai fait moi-même en silicone. Alors c'est une pâte bleue et une pâte blanche qu'il faut mélanger pour former donc des moules qui sèchent en 5 minutes. Alors on commence tout de suite, donc je vous montre le moule et je vous montre à côté l'exemple que ça fait. Alors j'ai fabriqué un moule bébé qui donne ceci, donc les formes sont coulées dans de la résine, voilà. Ensuite j'ai fait le moule chapeau avec tous les petits détails et tout qui donne cette forme ci donc ils sont coulés dans de la résine GDO. Ensuite je me suis fait il y a longtemps ce moule ci bonhomme de pain d'épices qui donne ceci. Je me suis fait le moule Mickey, enfin mini, qui donne ceci. Donc il y en a, je les ai peints, il y en a, je les ai pas encore peints. Voilà. Ensuite j'ai fait un moule Mickey mais j'ai un peu raté en fait parce que j'ai pris de la Fimo pour faire le moule. J'ai fait la forme en Fimo et en fait il y a les rainures donc ça donne pas très bien. Voilà, mais sinon c'est pas grave, je recommencerai. Ensuite j'ai fait un moule hippocampe qui donne ceci. Celui-ci, il faut encore que je peins, que je fasse des reflets, etc. Un moule cookie. Voilà, donc je pense que ça donnerait mieux en Fimo celui-ci qu'en résine. Voilà. Alors, je me suis fabriqué un moule comme ceci. Mais celui-ci ne donne rien du tout. La résine est trop épaisse. Donc c'est dommage. Et puis je l'ai mal moulé. Ensuite j'ai fait pas mal de moules en croco. Donc j'ai moulé des vrais crocodiles, des vrais bonbons en crocodile. Voilà, j'en ai 5 je crois des moules. Mais je vous en montre 3. Voilà. Mes petits crocos. Pour faire mes petits porte-clés, etc. Ensuite, je me suis fait un moule nœud papillon, donc qui donne des nœuds comme ceci pour faire des bagues. Ensuite, je me suis fait un moule. Donc là, j'ai pris un exemple de plastique fou. J'avais découpé donc en plastique fou. Il a été petit. J'avais besoin d'un petit motif tête de buffle. Que j'ai coulé en résine et qui donne ceci. Ensuite j'ai un moule chauve-souris. Donc là comment je l'ai fait, c'est qu'en fait j'ai décalqué une chauve-souris, je l'ai faite en Fimo, j'ai fait cuire la Fimo, c'était dur. Et pour avoir toujours un moule, ben j'ai moulé ma chauve-souris en Fimo comme ceci, ce qui donne ceci en résine. Là. Ensuite ben, j'ai moulé la tête de buffle version grande, ce qui donne ceci en résine. Il faut que je la peins encore. Ensuite j'ai moulé les petits oursons, donc des vrais nounours en bonbons. Voilà, donc j'ai fait pas mal de moules aussi pour les nounours, comme ça j'en fais tout de suite beaucoup, donc ça donne ça. Donc celui-là je l'avais peint en vert, celui-là en rouge pour faire ben, l'effet bonbon, et puis le jaune, voilà. Ensuite j'ai moulé des roses, des jolies roses. Alors j'ai fait un moule de cette taille-là, un moule de cette taille-là, donc celui-ci donne cette rose là, celle-ci donne la taille un tout petit peu en dessous, et ce modèle là donne une petite rose comme celle-ci.
Voilà. Ensuite, j'ai moulé un cabochon. Donc, c'était un cabochon avec deux trous, comme ceci. Et puis, comme ça, au moins, ben, j'ai les joyaux des couleurs que je veux pour mettre sur les serre-têtes ou des trucs comme ça. J'aime beaucoup faire ça. Ensuite, j'ai moulé une petite feuille comme ceci. Donc, c'était une breloque que j'ai moulée. Et ça me donne ça. Et il faut vraiment que je les peins, que je les peigne. Ensuite, il y a très longtemps, j'ai moulé un petit ourson comme ceci. Voilà. Qui donne ceci. Ensuite, j'ai moulé un cabochon fleur. Et ça donne ça en résine. Voilà. Ensuite, j'ai moulé un cabochon cœur de chez Action. Et ça, je m'en étais fait tout plein en fait. Et je vous en montre deux. Après, il faut les peindre, mettre des paillettes dessus, etc. Et ça fait super joli. Voilà. Ensuite, j'ai moulé un collier que j'avais quand j'étais adolescente, donc le Playboy. Et en fait, ben là, ça a mal pris. En fait, il y a une bulle d'air qui s'est formée et puis ça l'a pas pris. Ça a fait le bec bizarre là, mais sinon c'est pas grave. Je trouve plus l'autre. J'en avais fait un autre en noir, mais je sais pas où il est. Alors ensuite, je me suis moulé beaucoup de ronds comme ça, neutres. Donc celui-ci donne celui-ci. Donc j'avais mis des paillettes. Le moyen qui donne ce dôme là. Et le petit, ça c'était une bille il me semble, qui donne un dôme comme ceci. Donc là j'avais mis des paillettes. Voilà. Ensuite, j'ai moulé un cabochon comme ça, mais pareil, cela ça a rien donné parce que la résine elle est vraiment trop épaisse. Donc ça donne rien du tout. Tant pis. Alors, ensuite j'ai moulé un cabochon grenouille comme ceci. Ce qui donne ça, il va falloir juste que je le peins. Que je les peins, ces petites grenouilles là. Alors, ensuite j'ai moulé une breloque chouette. Pareil, il faudra que je la peins. Elle donne ça. Ensuite, j'ai moulé un petit chat que j'avais fait en fimo. Je l'ai cuit et je l'ai pris pour me servir pour le mouler. Et il est trop chou et celui-là, ben, je l'ai déjà peint. Il est blanc, il est tout petit et je trouve ça très mignon. Ensuite, j'ai moulé un cabochon lapin. Et puis, ça donne ça, mais pareil, il va falloir que je le peigne. J'ai moulé une breloque champignon qui donne ça. J'ai moulé un nœud papillon. C'était une breloque que j'avais commandée chez AliExpress. Je l'ai moulé et puis ça fait un très joli rendu. Il est beau. Celui-ci est très joli. Voilà. Pareil, mais en plus petit. Donc un nœud comme ceci qui donne ça. Voilà. Il va falloir que je fasse attention. Ensuite, j'ai moulé un cabochon fleur qui donne ceci. On voit bien les détails des cristaux, etc. Et j'ai moulé une breloque plume qui donne ceci. Il faut que je la peigne aussi.
Voilà, vraiment on voit bien les petits détails et tout ça, c'est vraiment très joli. Ensuite j'ai moulé un petit cabochon goutte comme ça pour faire l'effet cristal. Donc ça donne ça. Et puis par contre peint, mais là je l'ai peint mais mochement en fait. Faut que je m'applique à faire les contours et les tracés. Ça donne ça. Voilà. Et les deux dernières, j'ai moulé une bague aile de chauve-souris, aile de je sais pas quoi. Donc c'est une bague comme ceci que j'avais eu de chez Nez Jolie. Je l'ai moulée et puis ça fait mes petits ailes d'ange pour mes bébés Fimo. Donc voilà, c'est à la bonne taille. Donc j'ai mon bébé. Et puis après, vous pouvez coller les ailes comme ceci. Oups! Les ailes comme ceci. Et puis ça fait super mignon. Sur un petit bébé. Et j'ai moulé une bague que j'avais quand j'étais adolescente, carrée. Mais je ne l'ai pas fait assez grosse. Parce qu'elle donne ça. C'est fin, mais voilà. Et puis, ben... Voilà, quoi. C'est moulé à la taille de mon doigt. Voilà, il me suffit de la peindre. Et puis, sinon, j'ai fait aussi un moulage en silicone avec de la maïzena. Et puis, ben, ça donne le nœud que je vous ai montré tout à l'heure. Je ne sais plus, je sais plus lequel, mais voilà. Ben voilà, j'espère que la revue de tous mes moules silicone que je vous ai présenté vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Gros bisous, ciao.